souvent, quand on boit la tasse, entre de multiples autres choses, on avale du plancton. Mais qu'est-ce que c'est le plancton ? Le plancton, c'est l'ensemble des organismes, animaux et végétaux, qui ne peuvent pas lutter contre les courants marins. Si on a une cellule, deux cellules, trois cellules, et elles sont collées comme ça. Elles sont collées. Qu'est-ce qui les relie ? Qu'est-ce qui les relie ? En fait, du mucus, qui leur permet de coller les cellules les unes aux autres. Celles-ci sont fabriquées à base de calcaire. Et elles ont cette forme-là. Vous voyez la maquette ici ? Ce sont des sphères à la surface de laquelle on a des écailles en calcaire. D'accord ? Donc ça, c'est une cocosphère. Regardez, elles ont des mouvements assez particuliers, en fait. Elles se déplacent pas mal, même. Hein. Elles se déplacent pas mal, oui. L'échantillon encore bien vivant. Alors, c'est pas surprenant ? Vas-y. Si. Ah, si. Pourquoi ? Bah, c'est en même temps dur, mais en même temps un peu... léger. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est très peu dense. Tu veux soupeser ? On s'attend à avoir quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc ça, c'est un amalgame de coquilles Alors ça, c'est de la diatomite. C'était en fait, les diatomées ont sédimenté dans le fond marin. Bon, là, c'est de la diatomée d'eau douce. Et puis, elles sont compressées et ça donne comme ça cette espèce, ce sédiment qui est utilisé. On peut l'extraire et l'utiliser pour faire de la pâte à dentifrice, par exemple, ou tout ce qui est abrasif. D'accord. Et pourquoi c'est léger ? Ben, parce que c'est de la diatomite et en fait, la diatomite, c'est creux. Donc, en fait, c'est très poreux. On a vu le plancton végétal, maintenant nous allons passer au plancton animal. Donc ce qu'on vous propose là, c'est d'observer du zooplancton vivant qu'on est allé pêcher lundi en mer au large de Boulogne-sur-Mer. Dans le zooplancton, on va pouvoir identifier deux groupes principaux qui font tout leur cycle de vie dans le plancton. Mais vous verrez aussi des espèces comme des larves de crabe par exemple ou des larves de poisson qui font seulement une partie de leur cycle de vie dans le plancton. L'autre partie sera sous forme de nectons. C'est les animaux qui peuvent lutter contre les courants. Dans le zooplancton, on va retrouver des espèces herbivores, des espèces carnivores, des espèces omnivores. Donc on va avoir une chaîne alimentaire qui est très... même un réseau alimentaire qui est très diversifié, très ramifié. Et donc ces interactions, elles participent en partie à la stabilité de l'écosystème. Donc la méduse, elle fait quelle taille à ton avis ? Moins d'un millimètre. Je sais pas, ça se fait combien. C'est mais... ce que je voulais attraper. Ici. Ah, voilà. Elle fait quelques millimètres maximum. Donc ce que tu vois, ce sont des vers dans des tubes. Alors, on en voit ici, tu vois, c'est comme ça. Ouais, tu as un tube avec un ver dedans. Ah, et toi, le ver, il est tout déplié avec comme des tentacules. On appelle ça des palpes. Elle ressemble à ça, votre méduse ? Regardez la méduse. Oh ouais, c'est ça. C'est, ouais. Tout c'est ça ? Ouais. Un truc transparent. Avec c'est tout transparent. Au milieu, il y a un point. Ouais, c'est ça. Et elle s'est ouverte. Et elle est déployée. Voilà, là, c'est les poils. Donc, ce ne sont pas des poils. Ce ne sont pas des poils, c'est des tentacules de la méduse. C'est sur ces tentacules qu'il y a les cellules qui piquent. Ah oui. Parce que les méduses, c'est la famille des cnidaires. Et les cnidaires ont des cnidocystes. C'est des cellules qui piquent. Il n'y aura pas de disparition du plancton. Eh ben parfait, il n'y aura pas de disparition du plancton, ce qui est une c'est bonne ce que nouvelle. J'ai expliqué tout à l'heure, c'était plus des modifications de communauté que de la disparition. Ok, donc comme ça on a vraiment répondu à cette question.